Comment sommes-nous arrivés là? Comment sommes-nous arrivés là? Vous allez savoir ça. Le navire se barre. Oh les gars, qu'est-ce qui se passe là? Le navire se barre, ils viennent pas vers nous. Mec, je vous explique la situation. Vous voyez le navire à droite là? Attends, il y a un navire qui arrive là. What the fuck? Squeezie, t'es à toi. What the fuck? Il accoste, il est vraiment en train d'accoster, qu'est-ce qu'on fait? Oh merde, viens. L'autre vient. Non. Attendez de voir. Si on voit un coffre raté là. S'il te plaît, call. Squeezie, tu passes devant. Putain, les amis, il y a le navire là-bas qui est en train de revenir. Ils ont le coffre raté là. Ils ont des coffres dans les mains. Non, ils ont un coffre. Ils se baladent à 4 comme ça sans rien. C'est Athéna ou pas, Locke? Dis-nous. Attends, j'arrive pas à voir. Oh. Il check. Bouge pas. Let's go. Allez, fumez-le. Il est mi-HP, Il est dead. Non. Mort aussi. Vas-y. Il va attendre, baisez-le. Il est mort. Il va me tuer. Non, moi je suis mort. Il est mort. Attends, ils sont deux. T'as envie. Mort. Vas-y. Vas-y gros, le coffre. Let's go. Yes. Viens Squeezie. C'est pas fini, y'en a peut-être un deuxième. Le deuxième vire de bord. Allô. Le deuxième vire où, de il bord. Il va où? Il va vers Magma Tides. Ok. Go se recacher, Squeezie. C'est même pas celui-là qui était prévu, les gars. La boîte à Ce plaisir quand tu sais qu'il y a 4 mecs qui sont en train de pleurer et que leur maman elle leur dit de pleurer moins fort parce qu'elle veut dormir. Squeezie, fais gaffe, ils sont 3 sur l'île, meurs pas hein. Cache-toi. Je vais t'aider. Ah, bah, je suis coincé, j'ai été coincé entre deux bouts de bois. Reste caché. Non, je suis pas mort, reste caché, je vais être TP au bateau. C'est pas grave. Reste caché. Oh là là. On l'a eu. Oh, t'as un monstre. Non mais attends, ces mecs arrivent. C'est imprévu. Oh ouais, non, c'est même pas eux. C'est pas les mêmes. Là, y en a un autre qui arrive là. Sortez votre longue vue à tribord. On la voit la prochaine suite. Ah ouais, vas-y, je vais regarder. Oh les gars, si on vole deux coffres Athéna, putain de merde. Ah ouais, ça va être beau. Putain de merde. Ils ont eu la notif, les gars. On cherche, ils sont dans notre alliance. Ils ont eu la notif du coffre. Ah bah oui, c'est vrai qu'on a rendu le coffre. Là, les amis, on était dans une alliance. On n'a pas quitté l'alliance au moment où j'ai rendu le coffre. Donc eux, ils ont reçu une notif en mode, vous avez rendu un coffre Athéna. Et ils ont dû se dire qu'on était des alliés géniaux parce qu'on a fait un Athéna et ils en ont bénéficié. Alors que pas du tout. Et là on va leur prendre. Messieurs, et on va couper l'alliance. Ce soir c'est le doublé gagnant. Let's go. Oh là. Eh hey, mais attends, hey, quand j'y réfléchis, venons prendre 2 secondes. Parce que en gros, j'ai choke. Alpha a joué teamplay, il m'a ramené, ce qui m'a permis de voir le bateau arriver, ce qui a fait que Locklear a bien réagi, il a tué tout le monde, ce qui fait que Squeezie a pu rendre le coffre. C'est un travail d'équipe, mais genre comme jamais on a pu faire face. À ce moment, écoutez-moi bien, j'ai jamais eu un moment de tension pareil dans ma vie, à part quand j'ai fait des pétards dans un parc fermé quand j'avais 9 ans avec les policiers. Mais à part ce moment là, c'est quand Doig a dit mais les gars, il y a un bateau à droite. Et que là, on regarde à droite et on voit un bateau qui est collé à nous. Et ils font, il n'y a personne, vas-y, ramène l'Athéna. Et bon, genre, je comprends, j'avoue que c'est la libération. Oh, waouh. On est là, on est toujours en train de dormir Ancien Richie sur le petit toit. Ils sont en mouvement, messieurs. Ils mettent le cap sur vous. Oh, let's go, deuxième cap, let's go. Pas de crise cardiaque, hein, fais gaffe. Tu viens de faire un ulcère, là. C'est bon, ça va. Alpha, cette fois-ci, il va falloir que tu quittes l'alliance quand on les a liquidés, qu'on a le coffre dans les mains, ok? Oui, je sais. Je sais pas ce qu'ils foutent, ils rôdent depuis 10 piges, quoi, les mecs. Oh là là, les gars, si on fait 2 coffres en live. Le doublé gagnant, mon pote. Les gars? Ouais? J'ai un Kraken. Non! Si, j'ai un. Mais c'est ok, je m'en sortirai, vous inquiétez pas. Mais non, le Kraken de merde. Les gars, en fait, si on perd le bateau là, on a pas renfort. Et là, si on se fait TP maintenant, c'est fini. Soit on sacrifie quelqu'un pour aider Alpha, soit on laisse le bateau couler, ou soit Alpha c'est un dieu et il va réussir à 1v1 le Kraken. Je gère. Et je vous dis par expérience, Alpha il a déjà 1v1 Kraken solo. Hein. Wouah! Nous on a 3v1 et on est mort, mon gars. Oh mec, c'est casse-couille quoi, je peux pas aller tout droit, c'est. Non, c'est bon. Oh, mais vas-y, arrête de me mettre des coups là! Courage, Alpha. Et nous, on est en train de roupiller. On est en train de bronzer, mon pote. Et nous, on est là. Il y a clairement une injustice. Lâche ce putain de bateau! Eh les gars, actuellement, Alpha il est comme ça là sur le bateau.
Mais tu vas pas me laisser un jour? C'est un truc de ouf, mec. Personne peut vraiment se TP sur moi. Ah si, si tu veux, je viens, mais du coup, faut... Franchement, c'est trop relou, quoi. J'arrive pas à m'en sortir. Il m'attrape, mais attends, non, n'y va pas, Dwight. Je vais mourir. Il m'a remis dedans, putain. Il me remet dedans. On aurait été deux, on aurait pu s'en sortir. Oui, je sais, mais Alpha, je sais que c'est ingrat pour toi, mais c'est pas important, tu vois. Tu vas arriver spawn dans les débuts de l'eau. Ça va. Nique ta mère, Kraken de merde. Mec, ça me casse les couilles. J'étais à 10 mètres. Et il m'a attrapé, il m'a retourné. Et il m'a remis dans sa fucking mer, là. Ah, ça me saoule. Alors je suis à Old Faithful High, je suis à l'autre bout du monde. Il est à Flintlock Peninsula, le galion, et il bouge pas. Tu vois, il est là, il est au point. Ah. Il bouge. On fait quoi, on va où? Il arrive. Tout le monde en pause. Oh dodo. Ils viennent vraiment là. Ouais, non, ouais, ils viennent. Attends, je vais rester derrière. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent par derrière, ils nous font en visu. Ok. Ah là, ça va se jouer là. Je suis sûr, ça va se jouer. Je suis sûr, c'est maintenant. Je vais couler. Je suis dans une tempête. Je peux pas réparer. Courage Alpha. Ton nom ne sera pas bafoué. Il arrive. Alpha, dès que t'entends Athéna, tu me coupes l'alliance, ok? Dès que tu nous entends y aller, engagé, tu vois. Oh, ils sont arrêtés. Ils ont mis l'encre. Et ils envoient des éclaireurs peut-être. Oh non. Soyez patients, bougez pas les gars. Ils lèvent les voiles. Une barque, ils vont lâcher une barque, non? Ouais, peut-être. Et si c'est la barque, c'est encore mieux pour nous. Soyons patients. Allez, tourne ton navire là. Eh les gars, je vous jure, j'ai envie qu'on aille les démolir. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'ils foutent? Ils tournent à droite. Ils vont venir. Je vois pas pourquoi ils iraient autre part, c'est con. Allez, tourne ton navire, allez, vas-y. Là, ils reprennent le cap vers le sud, là. Non, ils vont tout droit, là. Putain, j'en ai marre de ce bateau, j'ai envie de les démolir. Alors, regarde bien. Et s'ils s'arrêtent sur cette île là, les gars, je vous promets, c'est le coffre Athéna. Ils s'arrêtent sur cette île, je crois. Ils arrivent sur l'île pile poil, ils vont pile poil dessus. 100%. Ok, les gars, c'est là. 100%, c'est bon. Allez, c'est maintenant. Là, ils vont déterrer le coffre, ça va prendre genre une minute. Après, le temps qu'ils se retournent, ça va prendre une petite demi-heure, tu vois. Et ensuite, ils vont venir sur nous, ok. Et ensuite, allez, ce sera le matin. Et voilà. Okay. Les gars, je vous jure, j'ai jamais autant aimé attendre de ma vie. Et quand tu l'as en visuel, le bateau, c'est encore plus jouissif, genre. T'as vu. Je vais vous dire un truc, les gars. Ils ont pas tout rendu. Donc là, ils vont avoir l'Athéna et ils vont avoir tout à rendre. C'est quoi ce petit bateau qui est en train de passer là, normal? What the fuck? Non, mais les gars, on a déjà vécu cette putain de situation. Oh non, ils vont pas venir ici. What the fuck? Mais par contre, à cause d'eux, ceux qui ont l'Athéna, ils vont pas venir ici, putain. Parce que là, sinon, je vais te dire un truc. Là, je vais aller sur son bateau, je vais monter l'ancre, je vais automatiquement se barrer. Ouais. Il est en train de rendre des trucs là. Non, laisse-le un peu de temps voir. Je vais le bouffer. Arrête. Non, mais je vais le bouffer lui. En fait, le problème, c'est que vous allez tirer, vous allez commencer à tirer des balles. Non, il va pas entendre. Qu'est-ce que t'as déposé là ici? Qu'est-ce que t'as déposé ici là? Il part comme un chien, genre lâche ça. Qu'est-ce que t'as dans ta bouche là? L'autre qui s'élance sur le ponton pour désinguer cet intrus. Et s'il y a des coffres, tu nous dis, on arrive. Y'a que de la merde. T'es en train de le niquer, Locke. Allez, non, tu vois ça. Non, t'as tiré là. Mais c'est pas grave, là ça s'entend pas ça. Il a scuttle. Putain, mais il en fallait peu. Hein. Les gars, ce qui est trop bien, c'est que j'ai débarré l'explos. Vous allez faire des mines. Il arrive. Alpha. Ouais, ils mettent le cap sur le nord. Ils partent. Ils arrivent droit sur vous, les gars. J'ai mis le baril à l'intérieur. Si jamais ils rentrent avec le bordel, il y a un mec d'entre nous qui se sacrifie, qui met un coup de pompe dans le baril. Moi. Ok. Quand tu rentres, il est à droite de la porte. Les gars. C'est maintenant, les gars. Attends, j'ai déjà trop de stress. Tu rentres, il est à droite de la porte. Okay, tu vois le mec, tu vois le coffre qui rentre. Tu rentres avec ton shotgun et tu tires et tu tires au bout portant dans le baril. Alors j'ai pas le shotgun, j'en peux plus. Arrête, ils arrivent. Tu me stresses de ouf, mec. Arrête avec la boîte à l'eau, c'est horrible, mec. J'arrête. Putain de merde. Oh, j'espère qu'ils vont éprôner. Ok les gars, pareil que tout à l'heure. Le coffre Athéna sur la plage, on saute tous et on le dégingue. Ils éprônent. C'est maintenant les gars, c'est le jackpot. Ils peuvent plus retourner, ils peuvent plus revenir. Oh putain, ça commence. Coffre Athéna en vue. Comme sur le pont. Let's go. Coupe. Je peux pas couper. Vite, on arrive. Il se barre, il est à droite. T'as quelqu'un, Athéna? Fume-le. Je l'ai pas touché. Go. Ok, je prends le corps, je le ramène. Alliance coupée, bien joué. Nice, un boss. On continue. Escorte. C'est bon, c'est sécurisé. Roll com, mon gars. Y'a un mec qui t'arrive dessus, y'a un mec qui crush. C'est bon, je l'ai rendu.
J'ai un ultra jackpot Squeezie. Non, non, tu rigoles, tu rigoles. Ultra jackpot. Non, tu rigoles. Oh, les gars, faites un screen pour Reddit là, c'est maintenant là. Eh, venez, on trinque devant, on fait une photo, enfin d'imprimer écran. Waouh, on fait une photo devant tout ça, les gars. Eh, ça, ce sera l'intro du best-of, ça, ça va appâter les gens, ça. Regardez-moi ça. Les gars, la vôtre, les gars, putain, c'est émouvant. Allez, tout ce loot, il est pour nous. Les gars, deux coffres Athéna et un butin, une barque remplie de je ne sais combien de coffres et de crânes. Qui peut nous arrêter? C'est sur ce beau coucher de soleil que les aventures de la Log Musicast se terminent. Aventure suivie par quelques dizaines de milliers de personnes, trois jeudis consécutifs. Les amis, merci. C'était un moment incroyable. Je lève mon verre pour vous, les gars. Levons nos verres, mes frères. Levons nos verres pour la Log Busycast. Yes. À la vôtre, les potes. Easy win. Allez, double Athéna. Double Athéna en une soirée, mon pote. Double Athéna. Easy peasy. Les amis, c'est la fin des aventures de la Log Busycast. Qui sait, peut-être qu'un jour, nous reprendrons les mers tous ensemble pour voler d'autres Athéna et des butins, qui sait, peut-être encore plus gros. Oh, merde. C'était incroyable.